Bonjour, comment vas-tu? Bienvenue à mes heures du compte sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Pascal Clavel, je suis enseignante de formation, créatrice d'un autre blog de maman. Je suis aussi maman de deux enfants. Alors installe-toi confortablement, parce qu'aujourd'hui j'ai choisi une histoire qui m'a beaucoup touchée. En fait, il s'agit d'une légende autochtone euh, qui a été écrite par Michel Noël et illustrée par Camille Lavoie. Michel Noël, il s'agit de l'auteur et il a des, euh, des origines, des racines autochtones parce qu'il a grandi dans une communauté algonquine. Alors, mon histoire, il s'agit de Pinéchiche, la pie bleue. On la voit ici. Alors, moi, je pense que c'est elle Pinichiche sur ma page couverture qui surplombe la prairie et les arbres. Tu es prêt? C'est parti. Et lorsqu'on ouvre mon livre, on voit Pénéchiche qui lutte contre le vent. Tu vas voir, elle va vivre une grande épreuve dans mon histoire, cette belle fiblée. Alors, cette histoire-là a été publiée aux éditions de Lisatis. Et ici, tu vois la photo de l'auteur. Oui, c'est Michel Noël. Je remercie souvent ma grand-maman Koukoum de m'avoir raconté l'histoire de Pinichiche, la petite pie bleue qui, dans un moment difficile de son existence, demanda de l'aide aux arbres. Ce récit que je raconte maintenant à mes petits enfants, après l'avoir raconté à mes enfants, est plein de sagesse et devrait dans la vie nous guider dans toutes nos actions. C'est Michel Noël qui nous parle. Je compte sur vous pour mémoriser cette belle histoire et la raconter le plus souvent possible à vos amis et plus tard à vos enfants et petits-enfants, de telle sorte qu'elle sera encore vivante dans cette génération à venir. Et ici, on voit la grand-maman. Hein? Moi, je pense que c'est la grand-mère de Michel Noël et ses petits-enfants. Tout Va bien pour Pinichiche. L'histoire commence. L'api bleu qui vole allègrement au-dessus des arbres. Elle a un long trajet devant elle et elle se presse autant qu'elle le peut. Elle cherche un bel endroit pour construire son nid et élever sa famille. De temps en temps, la voyageuse se penche et se perche sur la plus haute branche d'un arbre. Elle se camoufle dans les feuillages pour se reposer en sécurité et admirer le paysage. La pie replie alors ses ailes le long de son corps et se laisse bercer par la brise légère. Elle se laisse bercer par le vent. Pinichich est toute petite. Ses courtes ailes battent l'air frénétiquement et froufroutent tout le temps dans les voiles du vent. Elle ne peut pas se comparer à Michichu, l'aigle silencieux qui plane en cercle au dessus des nuages. Hein? De toute sa vie, elle n'a jamais rêvé de pouvoir voler si haut. Les nuages ne sont pas pour les petits oiseaux. Elle ne possède pas non plus la force, la patience et surtout l'endurance d'ou la chouette qui veille la nuit. Vigilante, la pie bleue garde un oeil sur le ciel, l'autre sur la terre. Si jamais elle tombait dans leurs griffes, les rapaces lui feraient un mauvais parti. Ben oui, parce que des grands oiseaux parfois, ça mange des petits oiseaux. Oh là 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 là. Un vilain vent se lève et se fait malin. Il tourne autour de Pinichiche et l'ébouriffe au passage. Elle connaît bien le vent. On le croit absent, mais sournois. Il est toujours là. Elle en profite souvent pour se laisser porter par lui. S'il n'y avait pas de vent, je ne pourrais pas voler, pense-t-elle. Mais voici que le vent se fait rageur. Sa course devient de plus en plus difficile. Ah, elle pourrait s'arrêter, mais où aller? Elle préfère poursuivre son chemin. Hmm. Le vent il souffle trop fort pour ses petites ailes à pinéchiche hein? Ah, je fais un petit saut par dessus la colline puis puis je me mets à l'abri. Hein, des décide Dans les hauteurs, le vent se charge de verglas. Hum, les plumes de la pie bleue s'imbibent d'eau. Elle grelotte, s'alourdit, devient une boule de neige volante. Ah oui, le verglas. C'est euh, de la neige qui fond, mais ça colle, ça a collé sur Pinichiche. Oh là là, le vent siffle sa colère, la prend à revers et la projette durement sur une muraille de pierre. Aïe aïe, oh, Pinichiche culbute tête première dans le vide. Tous ses os lui font mal, sa vue se brouille, elle ne voit plus rien en plus. Toutefois, même quand on est petit, on tient fortement à la vie. La pie se ressaisit et donne péniblement trois coups d'aile. Elle vole au delà de ses forces. Jamais elle n'aurait imaginé avoir une telle énergie. Oh, oui, elle veut elle veut s'en sortir. Hein? Oh. Pinichich finit par choir dans les, dans les bras souples d'un arbre. Enfin sauvée. Elle se blottit <coughs> au creux de l'aisselle d'une grosse branche. Son cœur bat très fort dans sa poitrine endolorie. Elle a reconnu l'écorce blanche du boulot. Elle reprend espoir et demande d'une voix tremblante Beau Ouschke, tout blanc, j'ai la patte cassée. Je ne peux plus voler. Je te demande l'hospitalité. L'hospitalité Tu es folle hum! Tu ne vois donc pas qu'avec ce vent dément, je risque à tout moment de perdre la tête? Non, non! Passe ton chemin! Évite! »« Ben, l'arbre ne veut pas l'aider. Elle ne veut pas qu'elle se repose sur ses branches. C'est pas très gentil, ça, hein! La petite fille est déçue. Dans sa grisaille, elle aperçoit un peu plus bas un autre arbre. Elle se laisse basculer dans le vide. Ouf! Et tombe dans un beau feuillage fourni. Elle se blottit contre lui et reconnaît la rugosité de son tronc. Hein, tron le tronc est rude. C'est l'érable. Il sent bon. Grand Upeeshku, j'ai la patte cassée. Je ne peux plus voler. Je te demande l'hospitalité. L'érable apostrophe l'oiseau. Sa voix résonne comme un coup de tonnerre. Non! Le ton est sec. Hmm? Je suis vieux et ce satané vent violent peut me casser en deux. De quoi le roi des arbres aurait-il l'air, le cœur ouvert aux quatre vents? Passe ton chemin, petite, et vite! Mais ben là, l'érable non plus ne veut pas l'aider. Qu'est-ce qu'elle va faire? Cette fois, la pie est persuadée que sa fin est proche. Les arbres ont le cœur dur, très dur. Elle joue le tout pour le tout et s'engouffre à nouveau dans une trouée. Elle ferme les yeux, et tandis qu'elle tombe, 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 comme un grêlon, elle soupire. Ah, la grâce de Dieu. J'espère que quelque chose se produise. Oh! Où suis-je? Dans le noir, la pie ne voit rien. Elle a mal partout. Elle recouvre lentement ses esprits. Hein? Elle se réveille tranquillement. C'était difficile. Hein? Il fait chaud ici. J'ai perdu mes plumes. Mais je suis tout égratignée. Dès qu'elle bouge, sa patte cassée la fait souffrir. Oh! Des aiguilles, la pique! Elle renifle et reconnaît à l'odeur l'arbre dans lequel elle a trouvé un nouveau refuge. Est-ce que tu devines de quel arbre il s'agit? Inachiste, le sapin! Rassemblant ses forces, elle l'implore d'un filet de voix. Ah, oh, Inachiste, mon beau sapin! Je suis pinichiche et j'ai la patte cassée. Je te demande bien humblement l'hospitalité. Elle demande de rester. La réponse ne se fait pas attendre. L'hospitalité? Bien sûr. La voix est toute douce, comme un murmure. Inachiste poursuit. C'est un autre nom pour dire sapin, c'est un mot autochtone. Finis chez moi, tu es chez toi. Tu peux te mettre à l'abri près de mon tronc. Je te protégerai du froid de mes longs bras. Tu n'as plus rien à craindre. Tu mangeras les amandes de mes cocottes. J'en ai plein la tête. Je dégouline de résine aussi. Tu peux t'en servir pour, pour immobiliser ta pâte cassée, hein, de la résine. Ça colle. Tu verras, ma médecine est forte. Tu guériras vite. Émue, la petite pie murmure Ah, Merci infiniment. Et à bout de force, elle s'endort dans les bras du sapin. Regarde comme elle a l'air bien. Et là, c'est la nuit. Les jours suivants, le conifère soigne bien sa protégée. À mesure qu'elle reprend des forces, elle se remet à volter allègrement et à froufrouter dans les branches du sapin. Et de ses voisins. Mais elle ne va jamais bien loin. Elle apporte une note de gaieté dans la taïga. Les pins, les épinettes, les cyprès et les cèdres s'en réjouissent. L'oiseau bleu trouve dans le sapin vert tout ce dont il a besoin pour vivre un abri, de la nourriture, mais surtout, pinichich a maintenant un ami. Pi et sapin deviennent inséparables. Il le regarde. Elle est en train de manger les amandes de sa cocotte. Tu en as sûrement vu, hein? Des petits cônes comme ça qui poussent dans les sapins. Il n'y a pas seulement que les écureuils qui en mangent, il y a aussi les oiseaux. À l'automne, un courant d'angoisse fait frissonner la montagne. De mémoire de bois franc, c'est du jamais vu. Et toi, en as-tu perdu? interroge l'érable discrètement. Euh. Non. En es tu certain? Oh. Une poignée, euh, pas plus. Hein? Pour la première fois de leur vie, les feuilles perdent leur magnifique feuillage, en les feuillus, pardon. Leurs feuilles commencent par sécher sur la branche, elles jaunissent, rougissent, rouillent, puis, au moindre coup de vent frais, elles s'envolent et culbutent. Hum. Le sol se tapisse de feuilles mortes et tous les feuillus deviennent chauves. Hein? Tous les arbres n'ont plus de feuilles. Ils perdent toutes leurs feuilles et les oiseaux les quittent pour d'autres cieux plus accueillants. Hein? Les oiseaux s'en vont dans le sud, là où il fait chaud. Qu'avons nous bien pu faire de mal, se demande t-il, pour mériter un tel châtiment de mère nature? Hein? Les arbres se questionnent. Boulot qui a la tête haute fait le surprenant constat qu'en bas, tous les conifères sont encore verts, hein? Tous les arbres qui ont des épines. Même qu'ils resplendissent de lumière sous la pluie. Pourquoi nous? et pas eux? se questionne-t-il. Aidé par le vent, il se penche au-dessus de la vallée et voit qu'une joyeuse colonie de petits oiseaux a élu domicile dans la sapinière. Il les entend jacasser. Plein d'oiseaux dans les sapins. Regarde, c'est plein de pis bleus. Et la sapinière, c'est l'ensemble des sapins. Honteux, l'arbre se redresse et comprend que la nature s'est chargée de rappeler aux orgueilleux de son espèce qu'il y a un prix à payer pour leur manque de compassion à l'égard des plus petits que. Depuis ce jour, les feuillus de la forêt sont dépouillés de leurs feuilles quand vient l'automne, et toute l'année, été comme hiver, les pis bleus froffroutent et jacassent à qui mieux mieux dans la sapinière toute verte. Au grand plaisir de tous ses habitants. Hum. Est-ce que tu as compris pourquoi les feuillus, hein, les arbres avec des feuilles, perdent leurs feuilles l'automne venu? Ils restent chauves, hein? Ils restent tout nus <laughs> tout l'hiver. Oui! C'est parce que Mère Nature a voulu leur donner une leçon, parce qu'ils n'ont pas voulu aider Pinichich, hein, un oiseau plus petit qui en avait besoin, tandis que les conifères, comme le sapin, ils lui ont permis de rester à travers ses branches, de se nourrir aussi. Alors ils ont été récompensés, ils ont pu garder leurs épines en tout l'hiver. C'est une légende. Toi, tu le savais, hein, que à l'automne, les arbres perdaient leurs feuilles. Mais avant, dans mon histoire, ce n'était pas comme ça. C'est Mère Nature qui leur a donné une leçon à un moment donné, et là, tout a changé. Je m'adresse maintenant aux parents qui m'écoutent. Alors, Pinichiche, lapis bleu, il y a plusieurs façons de l'aborder. Hein, euh, premièrement, c'est une belle porte d'entrée pour parler de la culture autochtone, que ce soit à la maison ou en classe, des légendes. Si vos enfants sont curieux d'en connaître d'autres, je trouve que c'est une super belle idée d'aller en louer, euh, d'en trouver à la librairie euh, pour en connaître d'autres. Et puis, euh, moi, je pense aussi que là, c'est le mois de février, c'est la Saint-Valentin, il y a plusieurs façons de l'aborder aussi. On peut parler d'empathie. L'empathie, c'est une valeur dont on parle beaucoup euh, lorsqu'on aborde la Saint-Valentin, la Saint-Valentin en classe. Euh, le fait de s'occuper d'un plus petit que soi, de ne pas penser qu'à soi. Qu c'est important de penser à soi, mais c'est aussi important de s'entraider et d'aider les autres. Hein, c'est de les faire réfléchir un petit peu là-dessus parce que quand c'est nous qui avons besoin d'aide. On a besoin des autres. Et euh, l'entraide permet aussi de forger des amitiés. Parce que qu'est-ce qui arrive à la fin? Hum, mm hum. la pie bleue et plein d'autres pie bleus sont amis avec tous les sapins. Si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer, commenter, partager. Et je vous mets le lien également pour vous procurer ce bel album dans la description de la vidéo. Je vous dis à la prochaine.